Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement sur Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors le code de la map s'affiche actuellement à l'écran, mais je le noterai en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Et quand vous arrivez sur la map, vous pouvez soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez noter le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, franchement ça soutient de ouf. Alors quand vous êtes dans la map, vous allez appuyer sur option, menu et vous allez lancer le jeu. Alors je tiens à faire une petite parenthèse avant de vous présenter le glitch. J'ai mis en description, en commentaire épinglé, une vidéo qui vous permet de gagner beaucoup plus d'XP en utilisant une technique secrète. Donc pour dépasser la limite quotidienne par jour sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire si vous ne connaissez pas la technique. Elle vaut vraiment le détour. Alors quand vous êtes dans la map, vous allez aller vous diriger vers la cabine. Juste ici, cabine téléphonique, vous vous dirigez vers la droite. Et ici, vous allez mettre deux rampes, comme ceci. Comme je suis en train de les faire. Ensuite, vous allez modifier les rampes pour les mettre comme ça, à l'envers. Voilà. Ensuite, vous allez descendre, mais pas totalement. Juste un tout petit peu, parce que sinon, vous allez téléporter dans la map. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Mais vous descendez un tout petit peu, voilà. Juste histoire de que votre personnage... deviennent bleus vite fait. Voilà, ensuite vous faites une petite émoticône. Ensuite vous allez sur la deuxième plaque. Vous faites une deuxième émoticône. Ensuite vous remontez sur ce carré et vous refaites une émote. Ensuite vous allez créer un sol juste ici. Et vous allez appuyer sur le petit bouton carré interagir qui est juste là, au coin supérieur gauche. Quand vous avez appuyé sur carré, vous allez créer 9 rampes. 9 sols, mais en faisant un droite-gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, ensuite vous allez prendre votre arme et vous allez tirer ici. Là normalement ça va vous donner des XP, donc je suis niveau 18, hein, 118 plutôt. Et là ça va me donner des XP. Donc là j'ai gagné 17 000, plus 15 000, ça fait une histoire de 32 000. On va continuer à tirer pour être sûr. N'hésitez pas à mettre plusieurs fois, à mettre 3 chargeurs dans le truc pour être sûr que vous prenez bien tous les XP. Voilà, là j'ai mis 3 chargeurs, j'ai l'impression que je ne peux plus en gagner. Donc quand ceci est fait, donc là ça m'a déjà rapporté 32 000. Quand ceci est fait, ce que vous allez faire c'est mettre 9 rampes, 5 rampes plutôt, en l'air vers la droite. Hein, donc regardez, on a tiré ici et vous mettez 5 rampes par ici vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5 rampes. Ensuite, vous mettez un sol. Et là, vous allez tirer sur la gauche encore. Voilà, juste ici. Vous tirez 3 chargeurs hein, pour être sûr que vous prenez tous les XP. Donc là, on a pris 7000. Donc plus 3000, ça fait 10 000. Et 20 000. Donc ça fait une histoire de 20 000. Voilà. Et 10 000. Ouais, non, ouais, ça fait 20 000. Ouais. Donc quand vous avez pris les XP ici, ce que vous faites, c'est que vous allez faire une rampe droit devant. Donc regardez, hein, ça donne ça un peu. Une rampe droit devant, un plat. Une rampe à droite, un plat. Et là, vous allez tirer en face. Juste ici, hop. Donc, vous tirez 3 chargeurs, encore une fois. Donc là, ça va donner 11 000 XP. Plus 10 000. Donc ça fait 21 000. Pour l'instant, je retire encore un chargeur pour être sûr. Ok. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire une rampe à droite. Attendez, hein. Une rampe à droite, oui, c'est ça. Ensuite, vous mettez un plat et vous mettez 3 plats ici, sur la gauche. Donc, ça fait un total de 4 plats. Sur la gauche, et normalement, quand vous allez tirer ici, voilà, vous allez encore gagner des XP. Donc là, c'est 18 000, 35 000.
Quoi, ça me fait une histoire de 50 et 10 000. Donc au total, j'ai pris plus de 100 000 XP, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai pris plus de 100 000 XP, donc j'ai gagné un niveau. Après, je suis sûrement en XP limité, donc je pense que vous allez prendre beaucoup plus que moi. Donc vous pouvez prendre, je sais pas moi, 2 niveaux, on va dire, voire peut-être 3. Et si vous utilisez ma technique, bah, vous ferez x5. Donc si vous avez gagné 2 niveaux, bah, vous allez monter à x5, donc vous allez gagner 10 niveaux, voire un peu plus. Et vous prendrez... vous prendrez 10 niveaux avec un seul glitch, si vous utilisez ma technique secrète. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description, en commentaire épinglé. Vous pourrez même gagner si vous avez pris 3 niveaux sur le premier glitch, donc sur la map ici. En utilisant la technique secrète, vous allez prendre x5, ça fait 15 niveaux. Vous allez pouvoir prendre 15 niveaux grâce à ce glitch, si vous utilisez la technique secrète. Donc n'hésitez pas à aller l'utiliser, et la vidéo est en description, en commentaire épinglé. Alors, petite information en fin de vidéo... Si vous voulez nous soutenir, moi et Johnny, en fait, on essaie de créer une map créative qui débloque de l'XP pour pouvoir vous proposer nos propres glitches d'XP, donc des gros glitches d'XP. Donc, si vous voulez nous aider, il faudrait que vous vous connectiez sur la map. Donc, le code de la map, vous le voyez en haut de l'écran. Mais je le noterai aussi en description, en commentaire épinglé. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est que vous vous connectiez un maximum, au moins une fois par jour, pour qu'on puisse débloquer des connexions quotidiennement et qu'on puisse débloquer l'XP. Ensuite, quand on aura l'XP, on pourra vous proposer de meilleurs glitches. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur cette map. Vous y restez quelques minutes, vous faites 2-3 petits trucs, hein. Vous rentrez dans la map, vous lancez le jeu et vous faites ça une fois ou deux par jour, peut-être 2 fois, ça peut fonctionner aussi, je sais pas. Mais voilà, essayez de le faire quotidiennement, comme ça, ça nous aidera à débloquer l'XP et vous serez gagnant dans l'histoire, hein. Vous serez gagnant, on sera gagnant, on sera tous gagnants. Donc voilà, merci à tous ceux qui vont sur la map, ça fait super plaisir, et j'espère qu'on débloquera bientôt de l'XP sur cette map. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec, et ciao. Peace.